Good morning, allez, Yiden, les Tusserois aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Chalai, Norbert, Ben Fortune, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, Yedida, Betester. Si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Erdrin, Perik Dalet, Mishnah Aleph, Heseg Yad, Banoder, Vehashanim, Banidar, Veharachim, Banerach, Veharerech, Bisman Aerech. Heseg Yad, Banoder, Keitzad, Ani, Sheherich, Ete Ashir, Noten Erech, Ani. השיר שהעריך את העני נותן ערך השיר. פרק דלת דו ערכין, on va commencer concrètement à aborder de front les détails de la parasha des ערכין, de celui qui va faire le don de donner la valeur de sa propre valeur, la valeur de quelqu'un d'autre, d'une personne, d'accord, selon des règles qu'on va voir, qu'on a déjà un petit peu évoquées. La structure d'abord de ce chapitre, c'est important, ça va nous aider à mieux comprendre. On va commencer avec 4 généralités qu'on va ensuite reprendre et détailler. On va dire Eseghiad, ça se calcule Banoder, Hashanim, Banidar, Haarachin, Banerach, Veherech, Bizman Erech, et puis après on va recommencer à les reprendre un par un. On va reprendre Eseghiad, Banoder, Keitzad, comment se présente le cas, et on va en parler dans la Mishnah Aleph Bet Gimel. Après, dans la Mishnah Adalet, on va recommencer à reprendre un après l'autre, on va parler des Shanim, après on va parler de chaque phrase, chaque proposition, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est bien évidemment introduire de manière très générale les 4 notions, et on va laisser les Mishnayot nous expliquer au fur et à mesure, plus dans les détails. Pour le moment, donc, Heseg Yad Banoder. Heseg Yad, c'est une halakha particulière qui a été donnée dans les Arachin. On s'explique. On a dit que les Arachin, ils ont un prix fixe établi par la Torah qui varie selon l'âge. Lorsque je veux faire le don d'une valeur de quelqu'un, par exemple, d'un coup, j'ai eu mon petit cousin, quand j'ai entendu qu'il était en danger, j'ai fait un vœu à Hachem que je lui donnais son RR. Donc il va falloir maintenant, la Torah elle va me dire, non, tu sais quoi, tu considères, c'est un garçon, il a passé les 20 ans, la Torah l'a fixé à un barème exact, 50 pièces d'argent, 50 shekels, 50 slime. Maintenant, la Torah elle a laissé quand même une issue de secours pour celui qui n'a pas d'argent. Que s'il a fait un don, eh bien, il a voulu donner la valeur d'une personne mais qu'il n'a pas d'argent, le Kohen viendra chez lui et étudiera son dossier et calculera, on a déjà évoqué un peu le principe dans Perek Aleph, on avait parlé un petit peu, alors il calculera combien il est capable de donner, selon ça, et le Kohen, il lui donnera. C'est ce qu'on appelle Heseg Yad, c'est le sujet de Heseg Yad. La Torah l'a dit, Ve'im lo tasig yado. Ouais, je crois que c'est le passage que Ve'im lo tasig yado, s'il n'aura pas, sa main ne parviendra pas à payer, les Hasig. C'est atteindre Yad, sa main. Sa main qui n'attend pas, n'atteint pas, qui n'a pas la capacité de payer le prix établi par la Torah, alors c'est ce qu'on appelle le din de Heseg Yad, d'accord? On va traduire ça, littéralement ça n'a pas de sens, quoi. Donc on va plutôt parler d'un concept que je n'ai pas créé, mais c'est un peu l'estimation pour le pauvre. Eh bien, ça dépendra en fait du Noder, de celui qui prononce le vœu. Vous ne devez rien comprendre pour le moment, mais je vais justement traduire les 4 propositions pour vous montrer qu'est-ce qu'on compare. Tandis que Vehashanim Banidar, le calcul des années, il ne se fait pas selon la personne qui prononce le vœu, mais selon le sujet du vœu, la personne de qui j'ai voulu faire la valeur. Là, il y a la forme passive et active. Il y a celui qui fait le Neder, c'est le Noder, et la personne sur qui on a fait le vœu, le Neder, donc ça s'appelle le Nidar, ça en Ifal. Donc le calcul des années, c'est selon la personne sur qui on a fait le vœu. Veharachin, je vais tout expliquer, ouais, ne vous inquiétez pas, mais d'abord, je veux présenter bien pour comprendre. La Mishnah, elle a parlé de manière lourde, étonnante. Il y a Tosfot qui pose la question, Tosfot Yom Tov, il rapporte ici la question de Tosfot qui reste Teima, c'est très étonnant cette manière de parler. Mais en tout cas, Veharachin, Banerach. Maintenant, la Veharachin, Banerach. La valeur que tu vas devoir donner, ça va dépendre de la personne que tu as voulu estimer, si c'est un garçon ou une fille. Veha'erer, bisman ha'erer. Maintenant, le barème va selon le moment où tu as prononcé le vœu. Et j'explique très brièvement, parce que ce sera repris plus dans les détails et présenté ensuite de manière plus complexe, parce que pour l'instant c'est très évident, tout ce qui est écrit. Le principe il est très simple. Moi je suis une personne qui a passé les 20 ans, et je vais vouloir faire le vœu de donner la valeur, comme j'ai dit, de mon petit cousin qui a 16 ans, ou ma petite cousine qui a 16 ans. Ouais. Et il s'avère que lui, il est pauvre. Voilà, on va prendre un cas. Mon petit cousin qui est pauvre,
de manière très grossière, probablement. Mon petit cousin qui est pauvre, et je voulais lui donner sa valeur. Eh bien, la Mishnah vient me dire, bon, calculer, est-ce qu'on va donner un barème différent? Eh bien, on ne va pas partir selon la personne qui est l'objet du vœu, mais plutôt selon la personne qui a prononcé le vœu. Normal. Calculer le nombre des années, ben, ça dépend de la personne sur qui on a fait le vœu, mais pas la personne qui a prononcé le vœu. C'est-à-dire, moi, même si j'ai passé les 20 ans, je ne paierai pas le barème des plus de 20 ans, parce que la personne sur qui j'ai fait le vœu, elle n'a pas encore 20 ans. D'accord ? On va expliquer que c'est beaucoup plus profond que ça en réalité. Mais pour le moment, c'est pour s'habituer. Ça signifie que donc, le din de Hesegiad, c'est banoder, ça dépend de la personne qui fait le vœu. Mais le calcul des shanim, des années, ça dépend de celui qui a fait le vœu. Idem veha'arachin, savoir est-ce que c'est une valeur de garçon ou de fille, ben, ça dépend aussi banerach, de la personne concernée. Vous devez sûrement vous dire, mais c'est exactement la même chose. Ashanim veha'arachin, c'est Benidar Neherach, Nidar et Neherach, la personne qu'on a fait le vœu, la personne qu'on a voulu laisser. C'est exactement la même chose. Et c'est vrai que c'est exactement la même chose. Et réellement, on aurait pu tout inclure en une seule phrase en disant Vashanim Vaherach, Baneherach, ou bien Banidar. C'est la même chose. Nidar, c'est l'objet du vœu. Herach, c'est l'objet de la valeur estimée qu'on a voulu donner en Herach. C'est exactement la même chose. Tosot s'étonne pourquoi la Mishnah elle a pris un langage aussi compliqué. En tout cas, veha erer, maintenant, le calcul du vœu, alors ce sera bisman erer. Et là, je m'explique. J'ai pris l'exemple de, par exemple, du petit cousin qui était en danger, et j'ai fait son vœu. Le petit cousin, en fait, il avait 19 ans et demi. Et puis, donc, j'ai fait le vœu. Il avait 19 ans, 3 quarts même. Et 4 mois après, bon, prochain, il a été sauvé et tout ça, on est très content. Et après, je me souviens que j'avais fait un vœu que j'ai toujours pas réglé. Question. Il a passé les 20 ans maintenant. Je donne quel barème? Celui de moins de 19 ans, de moins de 20 ans ou celui de plus de 20 ans? Réponse, la Mishnah m'enseigne, ben, bisman aerer, au moment où tu as prononcé le vœu. Lorsque tu as prononcé le vœu, c'était une personne qui avait moins de 20 ans, donc tu devras payer moins de 20. Comme le barème de moins de 20. D'accord ? Voilà le principe de la Mishnah. Maintenant, bien évidemment, comme je l'ai dit, apparemment, de prime abord, ça a l'air enfantin et à la limite superflu complètement, c'était trop. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. On va comparer quelque chose de beaucoup plus subtil. Regardez. La Mishnah commence à me reprendre, on va reprendre les premiers, donc on va le reprendre un après l'autre. Pour le moment, on va commencer donc avec le Hesegiad Banoder. Hesegiad Banoder Keitzad, tu m'as dit Hesegiad Banoder, tu m'as dit que l'estimation a posteriori pour celui qui n'a pas d'argent, eh bien tu le feras selon le Noder, selon qui prononce le vœu. Keitzad, comment se présente le cas? Et la Mishnah me dit Ani Sheerich et Ashir, un pauvre qui a fait. Littéralement, qui a fait le vœu de donner l'estimation du riche. Ouais. J'ai inclus dans ma phrase quelque chose de beaucoup plus vicieux que ce que ça a l'air. Donc, un pauvre qui a prononcé qu'elle est apparemment donné la valeur du riche. Mais ça. Voilà. Eh bien, la Mishnah m'enseigne bien. Dans ce cas-là, Noten Erechani, tu devras donner la valeur du pauvre. C'est-à-dire qu'on lui révisera le dossier et puis on lui fera une ristourne. Et à l'inverse. Va'achir she'erich et ani, si c'est un riche qui a fait le vœu de donner l'estimation, la valeur estimée du pauvre, eh bien, noten erech achir, il devra donner la valeur du riche. Apparemment, il y aurait écrit que si moi je suis pauvre et que je fais le vœu de donner la valeur d'un riche, eh bien, le Kohen il va me dire bon, j'ai pas le moyen de payer, viens, on va te faire une ristourne. Et si le riche il va faire le vœu de donner ma valeur à moi, le pauvre, eh bien, le Kohen ne va pas lui faire de ristourne. C'est ce que la Mishnah semble dire. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Ce sera déduit grâce à la Mishnah bête, où on comparera une autre situation. Tosfot déduit, c'est rapporté ici dans le Rabbi Akiva Eiger. On parle en fait d'un cas beaucoup plus subtil. Soit, il y avait un riche ou un pauvre. On va commencer avec donc, le cas d'un riche, par exemple. Qu'il a fait lui-même le vœu de donner la valeur de Réhouven, le petit cousin qui est en danger. Lui, il a fait la valeur. Et moi, j'ai fait le vœu à Réalai de donner je prends sur moi de donner le même erreur que lui. Regardez, il y a quelque chose de très original. Ça veut dire que lui, lorsqu'il a prononcé le vœu, il est riche. Moi, j'ai pris sur moi de faire la même chose que lui. En théorie, si j'ai pris sur moi de donner la même chose que lui, de donner la même estimation que lui, en théorie, donc, j'ai dit, ben, quand il reçoit la facture, vous faites la photocopie, vous me l'envoyez chez moi. Et la Mishnah me dit, non, mais c'est pas comme ça.
On va pas t'envoyer une facture, on va t'envoyer une convocation de payer le RR de Réhouven. Et si moi je suis pauvre, et ben on va réviser mon cas. Et inversement, moi je suis pauvre et j'ai fait le vœu de donner la valeur de Réhouven. Concrètement, vous savez bien, j'ai pas les moyens, c'est sûr que le Cohen il va me dire de payer 2 Sela sur 50. Et le Shir, le riche, il va dire, qui est à côté de moi, il va me dire, moi aussi je vais donner la même chose que toi, le même RR. Et ben on va dire au riche, non mais tu sais quoi, tu vas pas payer 2 comme moi, tu vas payer 50. Et on apprendra dans la Mishnah Bet qu'il y a un cas similaire dans celui qui va faire un don, un vœu de donner des korbanot, où ce sera pas comme ça justement. Et on va partir là-bas sur le principe qu'au contraire, il y aura dans un autre sujet de la Torah, des korbanot particuliers, où il y aura un barème pour les riches et un barème pour les pauvres. Et lorsqu'un pauvre, il doit faire quelque chose, apporter quelque chose, si le riche il est là et qu'il dit, moi je vais apporter la même chose que toi, eh bien on va donner au riche le même barème que le pauvre. Et là, ce n'est pas ce qui se passe. Là, on va prendre la cause. On va prendre la cause que j'ai fait du vœu. Donc, j'ai donné la valeur de Réhouven. Et on va dire, ben, toi, le riche, t'as dit que tu allais donner aussi la valeur de Réhouven. Viens, on va voir toi comment tu peux payer la valeur de Réhouven. Et on va lui réviser on va adapter, en fait, le barème selon la personne qui prononce le vœu. Et pas comme celui qui a. D'accord? On s'est compris. Pas sur celui qui a de qui on a recopié, mais plutôt sur celui qui a prononcé le vœu, d'accord. Et on reprendra de nouveau ce sujet demain, hein, dans la prochaine Mishnah, ou dans la Mishnah Bet, où justement on comparera Bezrat Hashem le cas des Korbanot, c'est pas comme ça. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.